man kap travay pou ti la pli yo, yo bay miskaden kob regilyèman, oui. Sa vle di ke miskaden nan manje l'ajan kidnapping, nan manje l'ajan bandi, nan manje l'ajan gang. Et... Alors, journaliste a posé question, li di, eske se pa absans l'Etat ki fe miskaden ap aji kon sa? Commissaire Miskaden. Et Miskaden, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. Ils sont commissaire gouvernement, j'en vous dis commissaire Miskaden. Oui, ils sont commissaire gouvernement dans la juridiction et NIP, la Miragouane. Alors, ils sont commissaire gouvernement, c'est pas n'importe moun li gen pile autorité dans chaîne pénale là, li gen en pile pouvoir, c'est lui même qui chef poursuite. Ça doit gagner, ça veut dire li fait partie l'État, li fait partie des acteurs dans chaîne pénale là. Donc nous pas qu'à parler des absences de l'État parce qu'ils sont autorité de l'État. Et li doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, jodi a en Haïti, ou gagnent 18 juridictions justice. Et ou gagnent 10 départements. Et l'orga des problèmes qu'on gagne jodi a, ça nous est les gangsterisation pays a, eh bien, et banalisation la vie moun, bon, banalisation la vie moun dans tout pays a, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine nan, qui gang yo occupé par plus passé 80. Disons entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP là, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand-est, sud, sud-est, gen commissaire gouvernement là-dedans, et gen sécurité dans la zone. Yo. Ça veut dire, yon commissaire gouvernement, et tant qu'on Miskaden, s'il y vle et appliquer la loi, et s'il veut combattre gang, l'a monter, l'a prend la loi comme boussole, l'a monter en task force comme chef poursuite dans juridiction là, les ça l'a gagner et paquetier, ça veut dire que lui même avec le petit commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police, et puis zéro tolérance pour gang yo, l'a bail plus résultat dans cadre travail. Nous même dans RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandi au jour et jour d'ya pour nous même placer, c'est prison ou cimetière. Ils ont fait trop, c'est des terroristes qui ont. Nous pas d'accord pour que monde qui négocie avec eux. Et ils ont fait trop et de l'eau coulée dans les yeux. Nous même journalistes qui victimes, population, la police, ils font paquet. Zak dans la société, mais nous pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale là. Qui décide, monsieur dame, un commissaire gouvernement ou gen un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer lui et pour dire qu'on a pas un dernier mot pour dire et en va mourir. Dans qui pays que nous y et puis tout. M'a bien avec un exemple. Fonde nèg li sous juridiction Miskaden. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sous Fonde nèg. Tilapli gen pile terre dans Fonde nèg et baron. Li gagne et noté cap travail pour lui. Li gagne en pile business dans marché Fonde nèg là. Et maintenant, marché fond de nègre là, businessman yo, dans fond de nègre, yo bay Miskaden kob et régulièrement pour faire travail li. Nous pas de problème avec ça. Secteur privé capable supporter des acteurs dans chaîne pénale là pour faire travail yo. Mais businessman kap travail pour Tilapli yo bay Miskaden kob régulièrement, oui. Ça veut dire que Miskaden nan manje l'argent kidnapping, nan manje l'argent bandit, nan manje l'argent gang. Et pour qui ça li pas engagé et aucune poursuite contre et Tilapli. M'pa di pou t'al poursuivre maman Tilapli parce que li fait maman Tilapli fait caillé pour maman et fond de nèg nan baron dans section et rural là, mais quand même
li connaît tout business qu'il gagne en bas, li connaît tête qu'il gagne, li connaît gagne hôtel, li pas jamais faire rien. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et les Miskadin avec commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Miskadin, il faut me dire ça pour ne pas déranger et allié Miskadin, et yo te gon discussion sur réseaux sociaux et pendant fond et pour qui ça c'est parce que Miskadin t'a fait on descend des liens dans et un hôtel qui n'a pas sali qui passe sous juridiction et Richmond dénoncé ça et commissaire Okai et commissaire Gwen Okai et Richmond dit c'est pour Bosli qu'il t'a travaillé alors Bosli l'a parlé de Hervé Foucan c'est Hervé Foucan qui sont trafiquants de drogue, qui mettaient Miskadin sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragual. Et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui était là, c'est Emily Prophète, qui voyait deux lettres de blâme. Une pour Miskadin, commissaire Miskadin, une pour commissaire et Richmond. Et puis, nous faisons une lettre avec un ensemble de cas, de communauté 10. Des monde qui victimes là dans un bandit gain innocent nous dit ministre là mais qui sa commission l'a fait en bas et on lettre de blâme pacifie nous demander pour révoquer oui nous camper des lettres que nous écrit en décembre 2023 au premier contingent arrivé jour mardi 25 juin 2024 là et faut que moi dis nous tout yo arrivé mais votre comparer pour yo vini c'est parce que là où ici t'as prendre et tête conseil sécurité a et les États-Unis